Yo les bros, c'est Tansui, j'espère que vous allez tous très bien. Lors de la précédente vidéo, on avait parlé du Trébol, voilà, le petit défenseur vert qui pouvait être un véritable cauchemar. Et aujourd'hui, on va rester dans la famille de Big Mom et on va aller parler d'un de ses enfants qui n'aura aucune frayeur à aller foutre des claques à la daronne. On va parler de Crackers. Et oui, cette attaquant bleu, franchement je trouve que c'est une véritable pépite. Vous allez voir, il a que des bons côtés. Donc il peut aussi bien effectuer beaucoup de dégâts, il peut avoir un bouclier qui peut se révéler très efficace, et il a surtout l'anti-malus, enfin le temps de réduit de 80% sur les malus. Franchement c'est une dinguerie ce personnage. Il va vous aider contre tout un tas de personnages malus, comme le Perospero, comme la Big Mom, comme le Brook d'ailleurs. Il va même le Kaido, l'anti-régène, vous allez voir, tout va être parfait avec ce personnage. Allez, moi je vous propose d'aller faire un petit tour sur la team que je vais utiliser, et ensuite on part en game. Alors pour partir en game, on va utiliser le duo Cracker Shanks. Bon, comme d'habitude, je vais uniquement utiliser le Cracker. Au niveau de la puissance totale de l'équipe, on va être à 54 176. Au niveau des pourcentages de soutien, on va arriver à 165,9%, donc c'est plutôt sympa. Au niveau du banc de soutien, on va voir les tags attaquant, chapeau de paille, détenteur de paramécia, capitaine, nouveau monde et génération terrible. On n'aura pas essayé d'aller récupérer le tag Zoan, il n'y en a pas forcément besoin, on rencontre plus énormément de verres, enfin il y en a quelques-uns, mais bon, franchement, on n'en croise pas beaucoup. On aura récupéré Grand Line et un petit peu de fonceur. Au niveau des pièces, enfin des stats du perso, donc on aura à peu près 3506 de PV en plus avec le bonus des pièces, 1108 en attaque et 253 en défense. C'est vrai qu'il est un peu faible en défense, mais bon, franchement, on s'en fout un peu. Et au niveau des pièces, donc quasiment toujours le même, le triple Luffy, donc avec la pièce de Red Hawk, la pièce de Lucci, enfin de Lucy, et la pièce King Kong Gun, voilà, qui nous permet d'augmenter les dégâts dans un tas de trésors ennemis. Voilà, donc ça va être parti pour les games, et écoutez, je vous dis à de suite pour la première game. Allez, on est parti pour la première game. Donc avec nous, on va avoir du Roger, on va avoir du Kaido V3 et du Kaido V2. Et en face de nous, on va avoir deux Kaido V3, une Big Mom V3 et un Jack. Donc là, on va faire attention bien sûr aux deux Kaido. C'est toujours important de faire attention à eux. Je vous rappelle que leurs spé de téléportation peuvent retourner littéralement une game. Surtout en plus, quand il y en a deux, c'est pire. Donc là, on va les prendre eux. Je vois que c'est assez tranquille en bas. Ouais, tout le monde monte. Écoutez, on va faire pareil, on va monter. On va aller mettre un petit coup de pression sur leur... Ah si, non, j'ai rien dit. Bon, en fait, ouais, ça passe. Ça passe, il y a du monde, mais on a capturé... Ah non, j'ai rien dit, on a perdu un des tas de trésors, c'est pas grave. On va essayer d'aller aider le Roger. Ah putain, j'ai complètement zappé le Kaido à côté. Alors là, il m'est passé vraiment à côté. Je l'avais pas du tout calculé. Grosse erreur de ma part, c'est pas grave. Allez hop, on va se faire le Jack. Et on va essayer de se faire le Kaido également. Hop, petite esquive, nickel. Allez, on essaye de le descendre. Ouais, il a presque plus de PV, on va essayer de capturer aussi. Hop, petite esquive, nickel. On va faire attention à la Big Mom. Hop, on va servir du soldat biscuit pour se protéger. Alors le soldat biscuit, c'est vraiment très pratique, ça vous protège, et en plus, une fois qu'il est détruit, ça vous régénère des PV. Donc franchement, là, le soldat biscuit, il est vraiment très important. En plus, il respawn très régulièrement. Donc là, on va essayer de se faire la Big Mom. Il y a le boost d'équipe qui arrive. Hop, allez, on lui met tout. Ouais, putain, ouais, on lui a mis tout ce qu'on avait. Ça, c'est parfait. On va essayer de capturer un petit peu. Ouais, attention, il y a un Kaido qui arrive. Allez, on va essayer de se le faire tranquillement. Et waouh, c'est parfait, nickel. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, l'aspect qui dash comme ça et qui fait énormément de dégâts, c'est hyper pratique.
Voilà, franchement, le Crackers, en plus, le Crackers, ce qui est vachement bien, c'est qu'il est anti-malus. Voilà, il a 80% de temps de réduction des malus. Donc, franchement, c'est parfait, quoi. L'anti-régène, les brûlures, tout ça, en fait, voilà, vous pouvez littéralement passer au travers. C'est très, très pratique. Surtout, actuellement, contre la Big Mom, ça peut être très pratique. Là, on va faire attention. Le Kaido qui arrive, en plus, il y avait le boost qui était juste à côté. Donc, on a anticipé un petit peu. Voilà, ok, on va essayer de s'en débarrasser rapidement. Hop, ok, nickel, c'est fait pour le Kaido. Là, on va avoir de la visite. Deux joueurs, ça va faire mal. Ça va être qui? Allez, ça va être le Zoro et le Akainu. Alors, on va faire attention. Alors, on va essayer de se servir de Soltabiscuit pour aller défoncer le Zoro. Ouais, je crois que la portée va pas être assez longue. Tain, l'Akainu qui me gonfle un peu, laisse-moi tranquille. Ok, c'est pas grave, on va essayer d'aller hop, arrêter la capture. Ouais, nickel. On a au moins stoppé la capture ici. On a un allié qui allait directement défendre sur B, donc c'est pas plus mal. Oh là, attention, là il y a 2 Zoro. Ok, il nous reste 8 secondes. Allez, on essaye de tenir. Ah non, ouais, j'aurais pas dû l'attaquer. C'est pas grave, 3 secondes. Allez, 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 allez. Hop, il n'a pas le temps de capturer. Nickel, 4-1. Nickel, ça c'est parfait. On gagne avec 4 trésors. On est MVP, ça c'est parfait. Franchement, le Crackers, il est incroyable. Il est vraiment incroyable. Et on aura fait un score de 7705. 3 captures et 5 KO. Allez, on est parti pour la deuxième game. Donc avec nous, on va avoir une monnaie. On va avoir un King et un Luffy SBF avec le frérot G4, enfin Enma de chez G4. Et en face de nous, on va avoir de l'Uta, du Roger, du Zoro et du Brook. Ça va être sympa, je pense. On va faire attention au Roger. On va aller directement sur le spawn ennemi. J'ai envie de leur mettre un petit coup de pression et puis j'ai envie d'aller me frotter un peu au Brook. Voir un peu ce que ça donne face aux Crackers. Normalement, le Brook ne devrait pas nous faire trop trop mal. Enfin, surtout, voilà, ces malus de gel ne devraient pas nous embêter trop trop parce que voilà, on peut réduire de 80% le temps de gel. Donc, hop, allez, on essaie de s'en charger tranquillement. Et pourquoi je peux capturer? Il n'était pas dans le tas. Je pouvais pas capturer. Ok, c'est pas grave. Ah, il va nous embêter. Il va nous embêter et je comprends pas pourquoi je pouvais pas capturer alors qu'il était pas. Enfin, j'aurais pu normalement capturer, mais c'est pas grave. Allez, hop. Ah, la caméra, merde. Dommage, excusez-moi. Allez, hop, on essaie de se le finir. Ah, son petit fantôme qui n'est pas passé du tout. C'est pas grave, allez, hop, on relance le biscuit. Il va falloir faire attention. Il y a une Yamato, je crois, qui arrive. Ouais, exact. Il y a Yamato qui va venir nous casser un peu les pieds. C'est pas grave, on va essayer de les gérer tous les deux. Ça va être compliqué. Franchement, la Yamato, je sais qu'elle peut être difficile, hein, même si c'est un contre-élément. Hop, allez, le petit soldat biscuit. Et directement sur le dash. Et on se débarrasse du Brook. Ah, malheureusement, j'ai esquive trop tôt. Je pensais que la Yamato allait me prendre directement après. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. On va aller se faire. Ouf, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, ouais, c'est la Robin. Ok, bien joué à la Robin. Franchement, GG. C'est pas grave. Allez, on va repartir avec le Crackers. Le Cracker, voilà, qui est vraiment un personnage super intéressant, du fait, voilà, de ses réductions de temps de malus de 80% avec son dash, avec ses soldats biscuits qui vous permettent de vous régénérer. C'est vraiment très très intéressant comme personnage. Allez, en plus, il fait quand même pas mal de dégâts. Même les soldats biscuits, hein, franchement, ils font le taf. Ils font vraiment le taf. Allez, on va essayer d'éviter la capture là-bas. Allez, hop, on dash et. Et parfait, on a tué la Yamato. Allez, on va essayer de se charger du Perros et de la Robin. Voilà, la petite vengeance de la Robin. Et oh, nickel, le Perros Perro. Et en plus, on va pouvoir capturer tranquillement. Allez, il reste 50 secondes. Allez, c'est parti. Ok, nickel, ça passe. Ça passe parfaitement. On mène 4-1, ça c'est génial. Oh, le Luffy qui fait le taf, on est bien. Hop, on va charger le Brook. Et pareil, le fantôme, je sais pas ce qu'il a fait, il s'est barré. Bon, il est pas au point, je trouve, le Brook. Hein. Franchement, il y a des petits correctifs à faire dessus. Le petit soldat qui va faire son petit bonhomme de chemin, qui va toucher un petit peu Yamato, mais pas grand-chose, c'est pas grave. Hop, on va aller essayer de la stopper, mais bon, ok, on va s'occuper du Brook. Le petit gel, le petit gel qui casse les pieds. Mais c'est pas trop grave, hop, et là on va pouvoir l'enchaîner directement et peut-être se le finir. Hop, allez, un KO en plus. Et en plus, on gagne 5-0, c'est parfait, nickel. On aura fait un score de 7345.
Franchement, la game était plutôt sympa. Franchement, bien sympa. Gros GG au frérot Enma qui a bien géré avec son Luffy. Et on aura fait. Putain, j'adore quand je vois tous ces coffres. J'ai rien gagné? Non, ok. On aura fait une capture et 5 KO. Allez, on est parti pour la troisième et dernière game avec nous. On va avoir de la Big Mom V3, du Kaido V2 et un Luffy SBF. Et en face, on va avoir le frérot Kimi avec sa ulti donc de chez Tatsumaki. On va avoir du Ben Beckman, on va avoir de l'autre, je ne me rappelle plus son nom. Et ensuite, le petit vert, la sœur de Sanji, je ne me rappelle plus son nom. Enfin bref, on va faire attention à tout ce bon monde. On va faire surtout attention au frérot Kimi avec sa ulti. Vous savez que ulti est particulièrement efficace contre les attaquants. Donc va falloir faire attention. Le Ben Beckman, ça devrait pas trop poser problème. Elle non plus d'ailleurs. Putain, je me rappelle jamais de son nom. Franchement, la loose quoi. Bon, c'est pas, hop, elle nous a pas fait de mal. Ah, bien joué. Bien joué son invincibilité. Mais. Ouais, elle peut rien faire contre le Kaido. On va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible. Voilà, nickel, parfait. Comme ça, on peut capturer le drapeau. Et on va laisser ensuite au Kaido le soin de le recharger à 150%. Ça fait toujours plaisir d'avoir un Kaido avec nous. Ou une Big Mom, bien sûr. Et on va aller faire un petit tour en bas, histoire de leur mettre un petit coup de pression. Ouais, faire attention au Ben Beckman, pardon. Putain, il s'est pas mangé entièrement le sol de la biscuit. Ah putain, je me suis loupé l'esquive, c'est pas grave. Bon là, on se prend cet aspect, mais regardez, voilà, l'anti-malus voilà, qui est réduit vraiment au mieux. Ah ouais, tu veux jouer à ça? Ouais, attends, on va y retourner, on va lui mettre un bon coup de pression, on va essayer de se le faire. Ah, il veut jouer, il veut jouer, il veut jouer avec le crackers, je vais le faire craquer. Allez, c'est parti. Ah dommage, loupé l'esquive, mais le dash qui fait totalement le taf, on l'a one shot, ça c'est parfait, et on va tranquillement capturer A. Pour l'instant, il n'y a personne qui vient nous embêter. Allez, il y a un spawn qui arrive. Ça va être le Shanks. Donc là, il va falloir faire attention. Le Shanks hein, qui peut faire très très mal. Et là, hop. Ah ouais, non. Ouais, alors ça, mauvaise idée en fait. Quand vous faites ça, essayez de ne pas lancer le soldat biscuit quand l'ennemi est perpendiculaire à vous. Parce qu'en fait, vous avez quasiment aucune chance de le toucher. Essayez de le prendre voilà, directement quand il est. Soit qu'il est légèrement devant vous, mais qui se dirige dans le même sens que vous. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais évitez. Oh, putain, parfait, on mène. Ouais, 5-0, parfait, nickel. Nickel, regardez, 5-0, on a fait 4138, on n'a pas fait un énorme score, mais au moins on a été assez décisif sur la partie. Et on aura fait un score de 2 captures et 2 KO. Voilà les frérots, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, comme d'habitude, j'ai kiffé jouer à un nouveau perso. Surtout le cracker, voilà, ça faisait un moment que je voulais le jouer, mais il n'était pas encore level 100, donc voilà, je préfère attendre un petit peu de le monter level 100 pour vous le proposer en gameplay. Et franchement, pour ceux qui l'ont et qui hésitent encore, franchement, je vous conseille de passer le pas. Voilà, essayez de franchir ce cap, essayez de le jouer parce que franchement, c'est une pure dinguerie, c'est un kiff de le jouer. Et n'hésitez pas à le tester au moins, ne serait-ce qu'une fois, vous allez voir, vous allez vous régaler. Petite chose en fait, si vous l'avez pas remarqué, et oui, effectivement, j'ai changé d'alliance. J'ai dit adieu aux frérots, à tous les frérots de chez Tatsumaki. Et d'ailleurs, je leur dis un grand merci pour toute l'aventure que j'ai vécue avec eux. Franchement, pour leur accueil, leur gentillesse et tout. Franchement, les frérots, vous avez été vraiment génial avec moi. Et je vous en remercie fortement. Et du coup, ben, je suis allé faire un petit tour chez God Valley. Voilà, je suis content d'intégrer cette alliance. C'est des anciens que je connaissais de chez FE, France Elite, qui était notre ancienne alliance. Et ça me fait grave plaisir de les revoir. Donc voilà, maintenant je porterai fièrement ces couleurs et je défendrai corps et âme. Voilà, écoutez frérot, moi je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like sur la vidéo et à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Allez, ciao! One Piece, Bounty Rush.